Cher Kala, chère Louise et cher David, enfin David Emmanuel, puisque c'est un prénom composé. Et donc je suis obligé de dire Louise Vera Jane, pour qu'on ait tous les prénoms également qui soient ici cités. C'est un véritable bonheur d'être sous cette roupa aujourd'hui et de pouvoir vous accompagner en tant que couple juif qui s'apprête à Livnot Bagit Beisrael, c'est-à-dire à fonder un foyer juif. C'est l'engagement qui a été le vôtre. On a eu l'occasion d'en parler ensemble, Louise et David, et je sais que tous deux avaient ce souhait profond que le foyer que vous vous apprêtez à fonder maintenant soit un foyer qui soit à l'image des traditions que vous avez reçues, David, et à l'image de l'enseignement qui a été le vôtre, Louise, et qui fera grandir votre foyer dans le judaïsme. Dans cette Ketouba, on vous invite à Livnot Bagit Beisrael, c'est-à-dire de fonder une maison, de créer une maison. Et c'est précisément ce que vous avez fait depuis quelques semaines, c'est que cette dynamique qui existe dans votre couple, de le faire vivre par la parole, davar. Mais davar, c'est la parole, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être investi si on lui donne un sens, et c'est précisément ce que vous faites. Et en cela, Louise, vous êtes, à mon sens, il n'y a aucun doute, et vous saurez l'être pour David, ce que l'on appelle Eshet Chayil, c'est-à-dire une femme de valeur. Vous allez tout à l'heure recevoir sept bénédictions. Il n'y a pas un seul moment dans la vie d'un homme ou d'une femme où on puisse recevoir autant de bénédictions. Vais-je poser la première question? Vais-je interroger en premier Louise ou vais-je interroger en premier David? C'est à vous de décider. Je commence. C'est donc Louise qui prend au moins, potentiellement, le pouvoir dans ce couple d'esprit. Louise, Vera, Jade, Pouchoulon, voulez-vous prendre pour époux David Emmanuel Foul, ici présent? Oui. David Emmanuel Foul, voulez-vous prendre pour épouse Louise Vera Jeanne Pouchoulon, ici présente? Oui.